tout le monde, c'est Kanyajost pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Et aujourd'hui, nous allons apprendre, plutôt je vais vous dire un peu, comment être flic, comment être policier sur GTA V PS4. Alors il y en a qui vont dire, ouais c'est du fake, tout, tout. Non les gars, c'est pas du fake aujourd'hui, c'est pas du fake, c'est la réalité. Donc, on va commencer tout de suite, là maintenant. C'est parti. Donc, avant quand même, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et laissez un petit commentaire aussi. Allez, c'est parti. Donc, pour être policier sur GTA V PS4, il va d'abord donc avec se mettre en mode histoire. N'importe quel personnage n'en a rien à faire. Et après, donc vous allez rester appuyé sur le pavé tactile. Vous allez descendre, vous allez mettre dans le mode réalisateur ici là. Le mode réalisateur. Vous appuyez sur le mode réalisateur forcément. Donc, c'est parti. Donc là, vous faites oui. Et là vous refaites oui encore une fois. Et du coup faut attendre que ça charge et tout. Donc normalement on va arriver dans une caravane. Voilà, donc on va pouvoir changer de tenue et tout. Donc vous arrivez ici. Voilà. Et donc vous allez aller donc dans paramètres avant. Dans paramètres. Vous pouvez le faire après, mais bon on peut le faire avant. Bon, vous allez choisir l'horaire. Moi je vais choisir le matin. La météo, beau temps, la vie de recherche. Alors la vie de recherche, là c'est là qu'il va falloir faire, vous allez le désactiver. La zone interdite, vous allez mettre 100. Donc là, toutes les zones, par exemple, comme commissariat de police, base militaire, vous pourrez y accéder. Donc ça, c'est plutôt cool. Invincibilité, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère la mettre parce que si vous mourrez, vous retournez dans le menu ici. Donc moi, je mets avec, voilà. Après, bon, ça sert à rien. Donc vous faites retour. Vous êtes dans acteur, et là, vous allez dans secours. Voilà, secours. Et donc là, c'est vrai que vous avez plein, vous avez les gardes de cause, vous avez le FIB, la police d'autoroute, la IA, sauveteur, LSFD, donc là c'est les pompiers, ambulanciers, et bien sûr j'ai évité. Donc on a LSPD, donc ça c'est les policiers. On peut changer, hein, bien sûr, les tenues. Donc faites attention parce qu'il y en a qui n'ont pas d'armes, donc là on le voit pas, mais il y a des fois, voilà, tu vois, vous voyez celui-là, il a pas d'armes par exemple. Donc moi, par exemple, je sais pas, donc je vais prendre lui par exemple, voilà. Vous pouvez prendre aussi le nose, donc le nose, hein, vous voyez, c'est eux. Donc vous pouvez le prendre, hein, si vous voulez. Moi je préfère ça. Donc, vous voyez que je prenais lequel déjà. Ah, lui. Ouais, on va prendre lui. On veut dire qu'ils sont plus gradés que d'autres. Mais bon, donc on va prendre lui, voilà. Donc hop, c'est parti. Après, je vais vous expliquer un peu une petite manip un peu compliquée. Parce que vous n'allez pas pouvoir avoir la voiture de police comme ça. Donc, pour avoir la voiture de police en mode histoire, quand vous serez en mode histoire, il va falloir voler une voiture de police et la mettre dans votre garage que vous avez acheté. Donc un garage que vous avez acheté. D'accord? Sinon ça marchera pas. Donc après vous êtes dans le lieu, vous allez dans... Moi je vais aller dans le centre-ville de Los Santos. Donc centre-ville LS. Donc on y va. Comme avec les animaux. Vous vous rappelez quand les vidéos sur les animaux, ce que j'avais fait. Donc là on va y aller normalement. Ça lui marche. Non, ça marche tout le temps. C'est juste quand je fais les vidéos que ça marche pas. Non c'est normal. C'est juste pour me faire chier. Non, je rigole. Donc là, vous voyez, hop, donc vous avez sûr, vous avez le menu armes et tout ça. Hop, voilà. Par contre, vous n'avez pas la vue première personne. Donc, après, donc quand vous avez mis une voiture de police dans votre garage, vous êtes dans le garage, vous appuyez dessus. Et vous avez appuyé sur, moi, je crois que c'est la police. Police Cruiser, donc là, on va appuyer dessus. Donc ça va faire ça. Et là, on va la voir, voilà. Et du coup, donc là, si vous, quand même, vous voyez, c'est pas du fake, hein. On est vraiment en policier. Et pour vous montrer, on va être dans le commissaire de police qui est là-bas. Voilà. Donc là, on y va. Donc ça, c'est cool, hein, vraiment, d'être flic et tout. Ça, c'est vraiment cool. Ah, il y a les motos de police ici. Voilà, donc on va jouer un peu RP. On va se garer normalement. Voilà. Et donc, demain, vous savez, quand vous allez dans le commissariat, vous pouvez juste aller à l'entrée. Vous voyez, vous pouvez juste aller ici. Mais vous pourrez pas aller là. Non, vous pourrez pas y aller. Alors que moi... Là, hop, normalement là ici vous avez quand vous allez monter, normalement vous allez avoir 4 étoiles. Normalement, c'est ça, 3 je sais plus. Ouais, je crois que c'est 3 étoiles. Et là comme vous voyez moi bah j'en ai pas. Je pourrais monter en haut sans en avoir. Donc là on va continuer et tout. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez parler. Alors vous allez dire c'est un peu bizarre mais non. Alors je sais pas si on peut le mettre sur, je me rappelle plus. Là vous avez l'hélico. Hein. Regardez. Donc vous allez aller dans action. Vous pouvez avoir le salut. Donc si vous restez appuyé, forcément ça fait vraiment le salut. Hop, comme ça. Et alors, il n'y a pas le dialogue. Si, ah non, le dialogue n'est pas disponible sur ce personnage.
Donc c'est pas grave. Donc vous voyez, et donc, bien sûr quand je me suis mis en invincible, forcément, vous doutez bien que si je saute, je serai invincible. Hein, vous voyez bien. Hop. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous réexpliquerai. Donc sur ce, moi je vous dis ciao, abonnez-vous, likez, partagez, hein, vous savez, vous connaissez. Donc allez, ciao là les... Voilà, voilà, c'est l'intro de fin la plus pourrie au monde. Voilà, c'est le mec qui rate tout. Non, je rigole. Allez, ciao l'équipe.